vérifier la tête de pointe d'une épée. Donc la première chose, on va brancher électriquement l'épée à l'appareil de test. On vérifie si l'arme fonctionne. J'appuie sur la tête de pointe, la lumière s'allume, l'arme fonctionne. Je vais donc mettre l'arme fixée sur l'étau. Donc le premier test qu'on va réaliser, c'est celui du poids. Je positionne mon poids sur l'arme, j'appuie, la lumière s'allume, je relâche le poids et la lumière doit s'éteindre. Je vais donc utiliser une pige pour vérifier la course de la tête de pointe. Une pige plus épaisse que l'autre. La première pige doit rentrer entre l'embase et la tête de pointe sans difficulté. J'utilise maintenant la deuxième pige qui est plus fine. Je l'insère entre l'embase et la tête de pointe. J'appuie sur la tête de pointe et la lumière ne doit pas s'allumer. La lumière ne s'allume pas. L'arme est à la pige. Je vérifie d'abord si mon arme fonctionne. Je la branche à l'appareil, j'appuie sur la tête de pointe, la lampe ne s'allume pas, mon arme ne fonctionne pas, c'est sans doute le petit ressort qui est trop court. J'ai donc procédé au démontage de ma tête de pointe suite au diagnostic d'une panne. Mon arme ne s'allumait pas. C'est donc le petit ressort qui est trop court sur lequel je vais tirer légèrement, délicatement pour l'allonger et ainsi qu'il touche les plots et que la lampe s'allume. Je vais maintenant vérifier la petite pige. J'insère la pige entre l'embase et la tête de pointe. J'appuie. La lumière s'allume. L'arme n'est pas au poids. Le petit ressort est sans doute trop long. J'ai donc procédé au démontage de ma tête de pointe suite au diagnostic d'une panne avec la petite pige. Lorsque j'appuyais sur la tête de pointe, la lampe s'allumait. C'est donc le petit ressort qui est trop long. Je vais donc délicatement le faire rentrer dans la tête de pointe en appuyant pour le raccourcir. Je vais donc maintenant vérifier le poids. Je positionne le poids sur la tête de pointe. J'appuie, la lumière reste allumée, l'arme n'est pas au poids, le grand ressort est sans doute trop court. J'ai démonté ma tête de pointe suite au diagnostic de la panne. Mon arme n'est pas au poids, c'est le grand ressort qui est trop court. Je vais donc l'étirer, l'allonger légèrement pour qu'il récupère une puissance nécessaire à repousser le poids.